Hey yo tout le monde, on se retrouve sur Aura Kingdom. Alors c'est pas une let's play ou je sais pas quoi hein. Alors là ça consiste juste à vous montrer, enfin à montrer la destinée de la classe Grimoire Magie, Grimoire, hein, ce que vous voulez. Donc ça c'est pas, y a pas de let's play, y a pas de tout etc. C'est juste pour vous montrer la destinée. Donc je vais l'appeler Destinée. Hein. Donc ce personnage, après il sera supprimé automatiquement. Hein. C'est juste pour faire ça. Pour montrer la destinée du grimoire. Alors, on va faire ça. On va prendre n'importe quoi, allez, on va prendre celui-là, on va pas se prendre la tête. On va aller vite. Parce que j'ai vu, il y a un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire ça. Bah écoutez, moi ça m'arrange. Et je ferai aussi sur les autres personnages aussi que j'ai pour vous montrer les destinées, comment ça se passe. Enfin, moi, je vous dis pas comment ça se passe. Moi, je vous donne ma façon à moi que je monte les destinées. Après, c'est à vous de juger si c'est bon ou pas. Voilà, ça c'est dit. Grand chevalier du temple, excellent, vous avez... Ouais, mais... Faut aller, faut avancer. Ça bug comme ça là, casse les bonbons là. Alors, voilà, objectif de la quête terminé. Ok. Super, vous venez de vaincre le dernier démon. Et ensuite... Engrais. quelle bande d'abrutis. Chevalier noir, vous... Oh, André, vous avez du potentiel toutefois, là. Chevalier noir, dites adieu au monde. Taisez-vous, vous n'êtes qu'en position. Là. Écoutez. Là. Oh. Ouais, mais ouais. Le mec, il a rien fait, l'autre, il s'est posé, il s'est trouvé par terre, normal. Ah, d'accord, parce qu'il m'attaque déjà. Le 3 il veut pas attaquer, donc va te faire foutre.
oui, c'est bon, tu vas nous menacer vers tel que vous ne pouvez pas espérer être un jour mon adversaire. Ouais, vous allez disparaître de la surface de la terre, que les flammes de l'enfer vous emportent par l'avenir lointain. Ciao! Ok. Ah, tant de puissance! Si seulement réussir à vaincre cette mort sans incident. Non, ben non, tu. Non, on s'en fout de l'histoire. Hein. On l'a déjà vu milliers, plusieurs fois, même des milliers de fois, donc on s'en fout. Alors. Non, non, c'était qu'un rêve, c'était qu'un rêve. Est-ce qu'un rêve ou alors une promesse d'intuition? Et donc, mais voilà, hein, les amis, la destinée, la destinée. Voilà, on est à la destinée. Donc, cette vidéo est juste pour ça, pour vous montrer la destinée. La destinée, la destinée. Donc, la destinée, elle est débloquable au level 3. Pour moi, voilà, moi je dis pour moi, hein, donc la façon dont moi, si j'avais une classe grimoire, même si j'avais déjà essayé au tout début du jeu, moi j'allais déjà prendre quoi? J'allais prendre soit dégâts, soit critique. Mais ce chose qui est plus crucial, moi je dirais, j'allais monter critique et vitesse. Pourquoi critique et vitesse? Parce que en montant critique et vitesse, déjà vitesse vous permettez de lancer plus vite vos sorts et critique ben, faire beaucoup plus de dégâts. Et en défense, moi j'allais monter full défense. Pourquoi? Parce que en montant full défense, vous prenez moins de dégâts et vous avez la possibilité de voilà de rester plus en vie et de ne pas vous faire one shot. Ça c'est fait. Alors le titre on s'en fout. Donc pour la destinée, la destinée. Alors moi déjà j'allais viser plus sur les petits carrés là, hein, parce que c'est ceux qui sont le plus intéressants. Et vous avez juste à lire. Si attaquer dégâts suffisent pour 3 coups et fait usable 60 secondes. Ok. Donc ça m'intéresse pas. Moi j'allais prendre directement celui-là. Paro divin, hein, voilà. Donc comment faire pour atteindre le paro divin? Ben moi j'allais faire ça en fait. J'allais faire ça. Voilà. Et prendre paro divin après, hein, si vous voulez. Moi je sais pas. Vous pouvez prendre celui-là. Mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. Après, ben, l'autre qui est tout en haut là-bas, taux de critique moins 10% de ténèbres. C'est vraiment à ne pas laisser. Donc j'allais faire ça. 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 Et ça. Voilà. Et ici, il y en a deux aussi. Ah, ceux-là aussi, ils sont pas mal. Mais non. Ouais. Mais malheureusement, moi, je dis ça que pour les grimoires. Mais après, ça tout dépendra aussi de la classe que vous avez. Mais moi, je dirais bien de venir jusqu'à là. En gros, ça vous donne plus de vitesse, donc vous pouvez courir plus vite et voilà, ça donne, c'est plus avantageux. Mais sur ce, faut surtout prendre celui-là. Voilà, celui-là. Ah non, merde, celui-là. Là. Là. En montant. Après, venir là. Après, là. Si vous êtes intéressé de l'autre côté. Hein, le chauffe-faucheuse, je sais pas quoi, là. Donc voilà, en tout cas c'est tout. Ou sinon, pour ceux qui aiment les attaques ultimes, hein, voilà, ils sont en bas. Mais tout dépendra de votre classe. Du coup, ben, ça, je vous laisse gérer. Et je le redis encore, ça, c'est moi. C'est ma façon à moi que j'allais faire ma destinée. Et voilà, c'est tout. Moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est bon comme ça ou c'est pas bon. Mais il faut déjà viser les carrés en argent, là. Parce que c'est ceux qui vous donnent beaucoup de bonus. Et qui permet que votre classe fait beaucoup de dégâts ou autre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aurait plu. En plus, il y a celui-là aussi. Et celui-là, comment récupérer? Non, pas comme ça. Ah ben, c'est aussi simple que ça. Soit en faisant ça, tac, tac, tac. Et vous prenez juste ceux qui sont en bas. Voilà, tac. Ouais, vous l'avez.
Donc, bah, écoutez, moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aurait plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de la faire. Sur ce, on va se retrouver sur une autre vidéo ou sur une autre destinée. Hein, je sais pas. Je vais essayer de faire les autres destinées que j'ai aussi pour vous montrer ça. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et peace tout le monde.